Ok les patates, nouvelle petite boutique, n'oublie pas le petit coup bleu de vous abonner comme d'habitude avec le petit code créateur J'ai la gameuse. Ça fait plaisir à ceux qui le mettent. On a le retour du petit skin destiné. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en boutique ce skin là. C'est rare. D'ailleurs, vous avez dû remarquer les potes, il n'y a plus aucun skin à 2000 V-Bucks maintenant. Donc en vrai, c'est rare qu'on l'envoie dans la boutique du coup. Voilà, petit skin de la saison 4, je me souviens bien. Voilà, petit skin destiné avec du coup le skin présage. Sorti à la même saison à l'époque. La première saison 4, ça date tellement les gars. On se rend même pas compte. Également la petite pioche qui va avec. Pour 800, on a du coup la seconde. Qui va avec le skin masculin par contre. Pour 1200, on a le planeur qui va avec eux. 1200 aussi. Le retour également de petit skin de la saison 10. Cette fois-ci, infini. 1005 avec sa petite pioche pour 800 V-Bucks. Et normalement on a le revêtement, voilà. Pour 500 jusque là. On est bon, on a le retour du pack, du coup, le fameux skin Molosse de guerre à 2000 V-Bucks. Là, il y a beaucoup de skins à 2000 V-Bucks dans cette boutique. Hein. Et ils datent tous du chapitre 1. Le second skin, la guerrière, du coup, d'Island à 1500, avec ses deux customs. La petite pioche croc d'argent à 800 V-Bucks. Et le planeur, du coup, était plutôt rare aussi. En plus, 500 V-Bucks. Maintenant, il est moins rare, mais il était rare de base un petit peu, il n'y a pas très très longtemps. Le petit skin le skin préhistorique qui est sorti à l'époque des primales. D'ailleurs, cette semaine, c'est la semaine des primales. On a le retour des arcs de feu, de poison, etc. Alors, ceux qui étaient là, c'est aussi chapitre 2. Vous voyez quelles armes que je parle. Du coup, j'ai très très hâte qu'il arrive. Normalement, on aura les défis liés avec ces petites armes. Donc, franchement, j'ai hâte d'avoir leur petit retour. Encore un skin à 2000 balles dans cette boutique. Le Léviathan, lui aussi, il date. Hein. C'est saison 3, saison 4, les skins qui datent de cette boutique, les gars. Le nouveau revêtement rembourrage. Ok, bon, plutôt simple en soi. On dirait un rembourrage. Vous savez, comme les canapés, la forme du revêtement. Je sais pas. C'est une génération du canapé. Bref. Le solo de Saxo. 800 époques. On a le chant de marin. Pour 500. J'adore ce mode. On a du coup Guimauve. Bon, c'est pas trop les périodes de Noël, mais bon. On est encore en hiver, hein, techniquement, on n'est pas encore en printemps. Donc c'est encore dans le thème, on va dire. Toujours disponible le petit pack du coup de Monarque. Je vous rappelle pour tous ceux qui le possèdent ou qui le veulent l'avoir bientôt. Vous avez des défis qui permettent d'avoir des montées de vos niveaux. Et c'est disponible le 19 mars. Après cette saison, ce n'est plus valide. Donc faites-les maintenant si vous ne l'avez pas encore acheté. Ou si vous envisagez de l'acheter prochainement. C'est juste pour vous le dire qu'il faut faire très rapidement vos quêtes si vous voulez avoir la possibilité de monter vos niveaux et l'avoir. Les récompenses, tous les skins DC, vous avez les Harley Quinn, vous avez Flash, vous avez du coup Best Boys avec bien sûr Wonder Woman, vous avez bien sûr le Batman, enfin l'un des Batman, parce qu'il y avait plusieurs Batman dans Fortnite quand même, là c'est l'un d'entre eux, vous avez du coup toujours le partenariat avec le jeu, du coup avec Nathan Drake et Chloé Fraser, du coup franchement c'est un skin vraiment pas mal, tous les skins NBA, les nouveaux et les anciens, basketteurs, etc. Bref, vous connaissez bien, on va pas vous les remontrer un par un. C'est quand même une grande boutique. Toujours disponible Bruno Mars avec Anderson Park et tout leur ensemble. Et bien sûr, le petit pack Cyber Infiltration avec leur pioche et le club de Fortnite ce mois-ci. Et peut-être que la saison, enfin, si au mois de mars, peut-être que ce sera un skin féminin. Peut-être. Je ne sais pas sûr à 100% pour l'instant. Donc, tant que je ne suis pas sûr, je ne vous dis pas. Mais je pense que c'est un skin féminin. D'accord? Je dis je pense, les gars. Alors, c'est jamais sûr à 100%. Sinon, je vous le dirai quand je serai sûr. Bref, sur ce, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, petit pouce bleu, vous abonner. Allez, ciao bye, Simmer.